Il nous reste plus que l'exercice 5, dans lequel on considère deux ensembles E et F, qui ont des sous-ensembles A et B. Alors en fait non. Euh, pour qu'on puisse faire A inter C, il faut que ce soit A et C qui sont dans l'ensemble E et B et D qui sont dans le même ensemble F. Et on veut montrer que A croix B inter C croix D c'est égal à l'ensemble A inter C croix B inter D. Comme c'est une égalité d'ensemble, le plus prudent c'est de le faire par double inclusion. Donc on commence par montrer que a croix B inter C croix D est inclus dans A inter C croix B inter D. Pour ça, on prend un élément X dans l'ensemble de gauche, et le but du jeu c'est de montrer qu'il est dans A inter C croix B interd. Alors qu'est-ce qu'on sait sur X On sait sur X, ben, X qu'il est dans A croix B, puisqu'il est dans l'intersection de A croix B et C inter d, et c croix D. Ça veut dire que X il va s'écrire sous la forme d'un couple AB avec petit a dans grand a, petit b dans grand b d'un autre côté x il est aussi dans c croix d donc même chose c'est le produit d'un élément de c'est le couple pardon, formé par un élément de c et un élément de d il existe un petit c et un petit d tel que x égale cd, avec C, D, avec petit c dans grand c et petit d dans grand d mais du coup les deux couples ab et cd ils sont égaux du coup ils sont tous les deux égaux à x or pour que deux couples soient égaux il faut que leurs composantes soient égales donc a doit être égal à c mais du coup, petit a, il appartient à grand c. Pareil, b, du coup, il est égal à d, et du coup, il appartient à grand d. Donc en fait, a, il appartient à a, à grand a et à grand c, donc il appartient à a inter c. b, il appartient à grand b, et il appartient aussi à grand d, donc il appartient à b inter d. Mais du coup, x, qui est égal au couple ab, ben, il doit appartenir à A inter C croix B inter D puisque c'est un couple formé d'un élément de A inter C et d'un élément de B inter D. On a montré que tout élément de A croix B inter C croix D était dans A inter C croix B inter D, donc on a montré la première inclusion. Et du coup, bah, il nous reste la deuxième. Il faut qu'on montre que A inter C croix B interd D, c'est inclus dans A croix B inter C croix D. Alors, même jeu, mais dans l'autre sens. Je prends un X dans A inter c croix B inter D. Il faut que j'arrive à montrer qu'en fait, il est dans A croix B inter C croix D. Bah, puisque X il est dans A inter C croix B interd, ça veut dire qu'il est un couple avec Y dans A inter C, et Z, la deuxième composante, dans B interdé. C'est la définition du produit cartésien de A intercé par B interdé. Mais du coup, en particulier, Y, il est dans A interc Et A intercé c'est c inclus dans A. Donc Y appartient à A. Z, il est dans B interdé. B interd c'est inclus, euh, inter inclus dans D. Donc X, qui est le couple Y-Z. Ah non, pardon. Je m'en me mets, mets les pinceaux. Euh, Z il est dans B interd, ça c'est vrai, et B interd est inclus dans D. Donc X qui est égal à YZ, c'est un couple formé d'un élément de A et d'un élément de B, il est dans A croix B. Mais d'un autre côté, Y il est aussi dans C, Z il est aussi dans D, donc X il appartient à C croix D. X il est à la fois dans A croix B et dans C croix D, donc il est dans l'intersection des deux, et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. On a du coup obtenu la deuxième inclusion, A inter C, croix B, inter D. Il est inclus dans A croix B, inter C croix D. Euh, euh, C'est ça, A croix B, inter C croix D. Et du coup, par double inclusion, on a montré l'égalité de ces deux ensembles. Donc A croix B inter C croix D, c'est égal à A inter C croix B inter v.